de Dieu dit, devant Dieu et devant les hommes, priez pour les uns et les autres. Prions pour les uns et les autres. Prions fort pour les uns et les autres. Prions. N'ayons pas honte de prier pour les uns et les autres. Prions pour les serviteurs de l'éternel Dieu. Prions pour lui. Car si vous ne prenez pas garde devant Dieu et devant les hommes, le samedi 10 juillet 2021, il sera enterré. C'est pourquoi mes frères, c'est là que Jésus. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Demain dit, le samedi 10 juillet 2021, vous pouvez vérifier si ce que j'ai dit n'est pas le Dieu, mais je sais que c'est l'éternel Dieu, c'est l'incommensurable, c'est l'admirable de Jésus qui l'a dit, il connaît l'avenir. Tu ne vas pas mentir. Amen. Amen. Faites attention. C'est pourquoi il faut obéir à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Pour finir, on n'a rien à dire encore plus. Mais c'est là seulement que vous donnez un petit conseil. Yes! Dieu m'a dit quoi? Je vous exhorte. Dieu a dit quoi? Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Verset combien? Verset 21. Chapitre 4, verset 1. Verset 1. Dieu dit quoi? Je vous exhorte donc. Moi, le prisonnier. Moi, le prisonnier du Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et marcher d'une manière. Afin de marcher dans d'une manière. Digne de la vocation. D'une manière de la vocation. Vous a été adressé. Qui vous a été adressé. Allons-y. En toute humilité. En toute humilité. Et douceur. Et douceur. Avec patience. Avec patience. Vous supportant. Vous supportant. Les uns les autres. Avec charité. Avec charité. Allons-y un peu. Vous efforçant. La Bible dit. Vous efforçant. Oh, attends d'abord. Oh, le verbe efforcer veut dire, il faut que tu fasses ce que tu n'aimes pas. Tu ne voulais pas. Oh, n'a pas un autre qui va. Oh, ni est tréonan. Oh, le man a mouri bon moi. Mais la Bible dit ce matin, vous efforçant. De conserver. L'unité de l'esprit. Par le lien de la paix. Virgule, point. Alors, l'effort que tu dois faire pour la vie de ton ami, ça va ramener dans l'église et autour de toi la paix. Oh, si cette paix-là est construite à cause de toi, tu auras gagné le ciel pour toi. Non seulement tu auras gagné, mais tu vas avoir l'abondance. Dieu nous bénisse. Amen. Va encore plus loin, verset 31. Yes. Et Dieu dit quoi? Dieu dit que toute amertume, que tout ce qui est colère dans votre... Oh, ce matin, à Yaoko, ne faites pas, ne vous feignez pas d'aimer X et Y en présence des sœurs. L'Éternel est en train de mettre des croix rouges sur le front de chacun. Et le lien est apporté avec une flèche, etc. etc. Si vous voulez, j'ai fait l'expérience. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute désobéissance, alors, soit circoncis, soit éradiqué, toute calomnie, critique, et toute espèce de méchanceté, disparaisse du milieu de vous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Verset 32. Soyez bons, les uns envers les autres, compatissants, avec. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez, ce n'est pas Jésus qui a écrit ça. J'étais même pas là. Ils ont écrit, ils nous ont imposé. Nous, on ne fait seulement que faire le lien. Mes frères, sont en Christ Jésus, soyez en paix. Amen. Amen.
J'ai dit hier au chargé que ce que vous avez initié est une très bonne chose. Continuez dans cette voie. Ne trichez pas. Lorsque tu donnes la somme de 1000 francs au nom du Seigneur, tu es béni 10 000 fois. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Avant de finir, je vais vous faire un petit témoignage. L'année passée, une personne qui était assise confortablement dans la résidence du diable a dit, Papa Zizoua, je voulais que tu viennes prier pour moi. Je dis, ok. Au moment où je priais, la personne s'est manifestée et il est devenu un niveau. Ce que je vous dis, je n'ai pas dit, c'est un songe. Non. Peut-être que dans le Yokolo, vous n'avez pas encore vu ça. Si vous avez vu ça, vous allez croire en Dieu. Vrai, hibou. S'asseoir. J'ai demandé au monsieur, est-ce parce que je suis en train de prier pour toi que tu veux te manifester? Mais ce n'est pas contre moi, mais contre le Seigneur. Si vous respectez la loi de Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis, a dit le Seigneur. Alors, j'ai demandé aux enfants, prenez une étoile, mettez-la et accrochez-la, plaquez-la sur le bord gauche de la paroisse. Dibou est parti. Et dit priant, Dibou est venu se couler là. Papa Oshafa n'est pas mort, il est là. Tuez-le! Prenez la toile, attachez-le, ne le tuez pas. Mais mettez des parfums Saint-Michel, bien que vivant, prenez-le! Ah! Il y a un peu là! Alors, dans sa clémence, Dieu, non seulement qu'il a brûlé, calciné, l'homme pour qui nous brûlé, il dit, tu m'as tué. Il dit, mais oui, tu t'es venu pour que tu puisses me tuer. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Il est mort. 3 jours après. Oui, mais c'est ça. Et je vous en prie, hein, dans ce combat-là, il n'y a pas pitié. Oh.